Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette nouvelle lune qui va avoir lieu le samedi 28 septembre 2019 et elle aura lieu à 20h37 heure de Paris. Je vous dirai aussi quelles seront les influences pour chacun des signes astrologiques pour cette période nouvelle lune. Et cette nouvelle lune, eh bien, elle ouvre une porte vers la guérison et la transformation. Balance apporte l'amour, la joie et la bonne fortune. Avec une telle combinaison, vous serez davantage tourné vers les autres et prêt à tout pour garantir l'harmonie autour de vous. La sociabilité est de mise, n'est-ce pas? Alors si une nouvelle lune en balance est plus tournée vers les autres, elle est en fait et avant tout la voie de notre bonne conscience. Nos pulsions nous poussent vers un retour à soi, plus d'indépendance, voire d'individualité. Cependant, cette nouvelle lune nous encourage à être affable et patient, à maintenir la paix et à préférer rester diplomate, n'est-ce pas, plutôt que revendicatif. Retour au calme. Le calme régnera pendant cette nouvelle lune en balance, d'autant plus qu'elle est conjointe à Mars en Vierge, ce qui aide à avoir des attitudes plus sages, des paroles et des gestes précis. On évitera d'agir avec impulsivité, mais plutôt avec réflexion et finesse. La présence de Vénus et Mercure lors de cette nouvelle lune a aussi son importance. Ces deux astres conjoints dans ce signe renforcent notre esprit sensible et agréable, ainsi que notre souplesse, notre savoir-faire. Ils nous apportent de l'élégance dans le geste, dans la parole. Ils donnent un esprit courtois et nous aident à enrober les choses. Le sextile de Vénus à Jupiter nous permet d'attirer ainsi la chance avec nous, de nous montrer sous notre meilleur jour possible afin d'obtenir des faveurs. Ces deux planètes en domicile chacune sont puissantes, n'est-ce pas? Elles nous invitent à privilégier le plaisir. Enfin, le carré de Vénus à Saturne et Pluton en Capricorne indique que malgré tout, nous saurons exactement ce que nous voudrons et que nous ne voudrons plus. Et ce que ne nous voudrons plus. Et c'est peut-être cela que nous exprimerons à certaines personnes. Des exigences et des revendications très précieuses, devenues essentielles pour nous. Cependant, nous ferons passer le message avec doigté, avec souplesse, avec beaucoup de diplomatie, mais nous avons besoin de dire les choses. Alors, cette nouvelle lune de la Balance est aussi une super lune, ce qui signifie que nous ressentirons ses effets plus fortement. De plus, elle tombe le jour même où Saturne s'aligne directement sur le nœud sud et sur l'astéroïde qui guérit l'âme. Chiron, je vous en ai déjà parlé de Chiron, est également très actif, indiquant que cette nouvelle lune peut apporter quelques bouleversements et défis, mais aussi beaucoup de croissance. La balance règne sur le signe de Vénus, donc cette nouvelle lune est aussi susceptible de déclencher nos relations et de nous encourager à regarder nos attitudes et comportements
quand il s'agit des connexions dans nos vies. Les relations que nous entretenons peuvent être très révélatrices, n'est-ce pas, pour nous quand il s'agit du voyage et des leçons que notre âme est ici pour traverser. Sous cette nouvelle lune, nous pouvons être amenés à réfléchir à la façon dont nous pouvons créer des liens et des connexions plus saines avec les autres, soit en fixant des limites, soit en témoignant notre gratitude envers ceux que nous aimons. Si une relation a été difficile, eh bien cette nouvelle lune peut aussi nous inspirer à aller de l'avant pour de bon ou à relever le défi d'une nouvelle façon. Parfois, des personnes difficiles croisent notre chemin afin d'éveiller, d'activer et de renforcer une partie de notre âme. Parfois, ces personnes servent aussi de réveil pour nous aider à trouver notre vraie voie et notre véritable vocation. Alors, les nouvelles lunes ouvrent toujours un portail, vous savez, je l'ai déjà dit, vers une nouvelle réalité. Donc, s'il y a des défis avec une personne particulière dans votre vie, établissez une intention. Travaillez à trouver l'amour et le pardon dans votre cœur. Et voyez si cette énergie peut vous aider à passer à un nouveau niveau d'action et de conscience. Alors, cette nouvelle lune arrive également à une période sensible de l'année, car elle est proche de l'équinoxe, n'est-ce pas, qui aura lieu au mois de décembre. L'équinoxe est l'une de ces périodes de l'année où le voile entre les dimensions est mince et où nous pouvons passer plus facilement à un état de conscience supérieur. Tout autour de nous, les choses changent, n'est-ce pas? Elles évoluent, les saisons changent. Et Mère Nature, évidemment, se transforme. Elle sommeille ou s'épanouit, lâche prise ou crée une nouvelle vie. Elle est en transition et nous pouvons avoir l'impression qu'une partie de notre vie est également en transition. Sous cette énergie, eh bien, nous pouvons nous retirer à l'intérieur de nous, traverser le voile de trouver une nouvelle partie de nous-mêmes qui est prête à renaître. L'énergie de manifestation sera également forte autour de cette nouvelle lune, de sorte que nous pourrons l'utiliser pour réfléchir à quelque chose que nous souhaitons apporter ou créer dans nos vies. Il ne nous reste que 3 mois, n'est-ce pas? Déjà, 3 mois avant la fin de l'année, que cela a passé vite. Que voulez-vous accomplir? Posez-vous la question. Que voulez-vous que 2019 soit pour vous? Quelles dernières mesures pouvez-vous prendre pour que cette année soit une année où vous vous sentez bien? Qu'est-ce qui reste à faire? La balance est représentée par un instrument de musique et est le seul signe du zodiaque à avoir un objet inanimé comme symbole. En tant que gardienne de l'équilibre, la balance est une figure de justice et comme toutes ces énergies sont avec nous pendant la nouvelle lune, eh bien cela donne un sens plus profond à l'équilibre qui est évoqué. Alors la balance est le 7e signe du zodiaque et le fait d'être gouverné par le chiffre 7 donne aussi à la balance une qualité spirituellement chargée. Tandis que l'énergie de la balance veut que nous trouvions un sens d'équilibre quand il s'agit de répondre à nos besoins et aux besoins des autres, elle veut aussi que nous trouvions un équilibre entre ce monde et le nouveau qui vient. Nous sommes une âme ayant une expérience humaine
et se souvenir de cet équilibre entre la réalité physique que nous voyons et la réalité spirituelle que nous sommes sous cette nouvelle lune, quelque peu volatile. Peut-être, elle peut être utile. Nous sommes ici pour un voyage temporaire, n'est-ce pas? La Terre n'est pas notre vraie maison. Nous sommes des visiteurs ici, tout comme les expériences qui nous arrivent et les émotions qui nous accueillent. Nous sommes l'univers qui prend une forme humaine et qui se déplace ensuite vers l'extérieur. La vie semble si sérieuse quand nous y sommes, mais il y a intérêt à ne pas se laisser emporter et à ne pas s'attacher aux événements qui se déroulent autour de nous. Il y a intérêt à se rappeler que nous sommes ici pour expérimenter toutes les choses qui nous rendent humains. Sous cette nouvelle lune de la balance, voyez si vous pouvez vous libérer de toute l'importance que vous donnez aux attachements qui vous retiennent et vous stressent. Vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules. Vous n'avez pas besoin de tout contrôler ou d'avoir une vie bien équilibrée de la façon dont votre mental croit qu'elle doit être. Équilibre est atteint en s'abandonnant à ce qui est et en acceptant où nous en sommes dans notre vie. Il s'agit d'honorer le voyage humain et de respecter les processus de notre esprit, de notre corps et de notre âme. Nous n'aurons jamais tout compris, mais plutôt que de nous laisser abattre, nous pouvons utiliser cela pour nous inspirer à vivre dans la liberté, sachant que nous sommes ici pour apprendre et qu'une partie de l'apprentissage ne se déroule pas toujours comme on le voudrait, n'est-ce pas? Lorsque nous nous permettons cette liberté de faire des erreurs, de suivre le flux de notre vie et de nous abandonner à la forme humaine que nous semblons être, nous entrons en fait dans un état d'équilibre profond entre notre corps, notre âme, notre cœur, notre esprit, les autres et la terre. L'équilibre n'est pas seulement vous et moi. L'équilibre n'est pas seulement noir ou blanc. L'équilibre n'est pas seulement oui ou non. Il s'agit d'harmoniser chaque aspect de notre être pour vibrer avec ce qui se passe autour de nous et en nous. La qualité spirituelle de cette nouvelle lune nous aidera à sortir de l'ancien et à nous transformer en nouveau. Les énergies fortes en ce moment peuvent nous faire nous sentir fatigués, sensibles et connectés aux énergies psychiques. Trouver des moyens d'être ouverts tout en étant protégés peut être un conseil utile pour naviguer dans ces énergies. Alors pour résumer tout cela, n'est-ce pas? Cette nouvelle lune du 28 septembre 2019 a une influence affectueuse et sociable grâce à l'étoile fixe Zania, Vénus, sextile Jupiter, ajoute à la bonne nouvelle pour ceux qui cherchent le plaisir et la romance. Cependant, le nouveau quinconce lunaire Uranus suggère que pour faire face à de nouveaux développements dans notre vie sociale ou amoureuse, vous devrez vous adapter ailleurs. Ou bien il se peut que les tensions croissantes dues à l'ennui ou à l'insatisfaction forcent un changement de votre vie sociale ou amoureuse. C'est une bonne nouvelle lune pour sortir avec des amis, commencer une nouvelle relation, aller amoureuse, se fiancer ou se marier,
Je suis convaincue que l'adaptation dans d'autres domaines de la vie à un développement aussi merveilleux ne poserait aucun problème. Les effets de l'astrologie de la nouvelle lune de ce 28 septembre 2019 vont durer 4 semaines jusqu'au 28 octobre 2019, date de la prochaine nouvelle lune, le meilleur moment pour faire un nouveau départ et commencer de nouveaux projets et pendant les 2 premières semaines en ce nouveau cycle lunaire. Cette phase croissante de la lune dure du 28 septembre au 13 octobre où on retrouvera la pleine lune. Alors, quelles seront les influences sur votre signe astrologique avec cette nouvelle lune? Alors, pour les béliers, un peu de douceur, les béliers. La nouvelle lune vous aide à gérer vos pulsions un peu agressives et impatientes. Aujourd'hui, c'est sur un ton doux et en trouvant les mots justes que vous exprimez vos besoins. Taureau, place au renouveau, cette nouvelle lune vous donne envie de tout revoir. Embellissement de votre quotidien ou de votre habitat, vous ne manquez pas d'idées pour mettre du renouveau dans votre vie. Les Gémeaux, le plaisir est roi. En cette période de nouvelle lune, vous pourrez profiter de nombreuses joies affectives, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Le bonheur est de circonstance pour vous. Cancer, un peu d'irritation. Plus impatient et exigeant lors de cette nouvelle lune, votre vie familiale vous en fait voir de toutes les couleurs. Aimez vos nerfs à rude épreuve. Essayez de garder votre sang-froid. Les lions, sociabilité, activité. La nouvelle lune vous propose de nombreuses rencontres, diverses et variées, dans tous les domaines de votre vie. Vous appréciez cette richesse relationnelle. Vierge, une nouvelle lune qui apporte rapport. Une nouvelle lune qui rapporte particulièrement, elle sera efficace si vous avez des prix à négocier. Vous le ferez avec fermeté et doigté, c'est le moment de voir votre banquier. Balance au top de la séduction, n'est-ce pas les balances? Et cette nouvelle lune, elle vous permet d'exprimer à votre partenaire vos manques comme vos désirs. En solo, si vous êtes seul, vous séduisez tant par le verbe que par l'apparence. Alors profitez-en les balances. Scorpion, vous faites le point. Cette période de nouvelle lune vous sera bénéfique car elle vous aidera à mieux déterminer vos manques et vos besoins. Vous réfléchissez aux possibilités que vous avez de vivre de manière plus sereine. Sagittaire, amour au programme. Joie familiale, amicale et amoureuse seront au programme de cette nouvelle lune. Quant aux célibataires, cette dernière pourrait être porteuse de bonnes nouvelles. Une histoire prometteuse pourrait bien être pendant cette période. Capricorne, détente assurée. Voilà une nouvelle lune qui va vous pousser à apaiser quelques tensions liées au travail. Vous trouvez une solution raisonnable pour que tout le monde soit content. Verseau, par-delà la distance, cette nouvelle lune vous donne des envies de voyager ou d'évasion. Des marques d'affection vous parviennent de la part de personnes lointaines. Et nous terminons avec les poissons. Cette nouvelle lune, nouveau désir. Cette nouvelle lune vous propose une nouvelle aventure sensuelle. En couple, vous avez envie de vivre votre sexualité autrement et de varier les plaisirs. Alors les poissons, laissez-vous aller.
Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. Je remercie Madame la Lune avec toute ma gratitude. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Et puis, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez.